Monsieur Portejoie, je sais comme vous teniez à ce que nous nous rencontrions à l'occasion de vos entretiens avec les auteurs de l'anthologie Tomber les voiles. Mais voilà, au risque de vous décevoir, je ne le ferai pas. Ce n'est pas que je craigne la foule, la caméra ou toute autre chose que vous jugeriez vous-même anodine ou la résultante de ma trop grande opinion de moi-même. Mais surtout, parce qu'en toute simplicité, j'ai espéré ma vie. Pour cette raison, n'aspirez pas à savoir qui se cache derrière mon pseudonyme, ni derrière le mail ou l'IP qui vous ont transmis toutes les données que vous avez désormais en main. Mon profil est de toute façon caché derrière un VPN, et vos recherches sur Internet se révéleraient bien infructueuses. Elle ne vous conduirait qu'à étudier des gens qui n'ont rien à voir avec moi. Pire, vous mettriez en danger des personnes qui n'ont aucun rapport avec cette histoire. Vous pourriez penser que je suis lâche d'agir ainsi, mais croyez qu'ils furent nombreux par le passé à vouloir dénoncer ce que je m'apprête à vous révéler. Et ces malheureux ont payé un lourd tribut pour ça. Pour vous convaincre, il me faudrait simplement citer Henri IV, Gandhi ou Kennedy. Il y en a cependant bien d'autres. Je sais que cela vous paraîtra fou. Je peux vous assurer pourtant qu'ils furent assassinés pour ce qu'ils s'apprêtaient à dire et pour ce que vous allez bientôt entendre. J'ajouterai que je préfère vous envoyer cette vidéo, étayée par des documents que vous produirez si vous le souhaitez, afin de pouvoir parler sans la moindre contrainte. Un face-à-face avec vous m'aurait sûrement donné grande satisfaction, monsieur Portejoie, car je sais de source sûre que vous êtes un homme intelligent. Mais sans le vouloir, avec vos questions, vous m'auriez détourné de mes objectifs. Et ma parole aurait certainement eu moins d'impact auprès de votre auditoire. J'ai de surcroît une fâcheuse tendance à digresser. Vous trouverez sans doute étrange que je choisisse votre support pour m'exprimer et surtout que je n'ai pas préféré à la place le faire dans un journal, un magazine ou lors d'une interview aux actualités télévisées. Je peux vous dire avec assurance que ces médias ont depuis longtemps basculé dans des mains perverses et qu'aucun, aujourd'hui, n'est en mesure de retranscrire les vérités que je vais vous dire. Votre probité ne me semble plus à prouver et je sais que vous me laisserez exprimer l'ensemble des faits sans les tromper. Votre maison paraît de plus posséder une aura et un lectorat en phase avec ce que j'ai à vous dire. Du moins, ce sont les résultats d'une enquête que nous avons conduite sur vous. Maintenant que je vous ai prévenu, je peux entrer dans le vif du sujet. Je m'appelle Edward Noyce et je suis donc l'auteur d'Edmotype. Vous dire quel est mon âge, mon origine ethnique, la ville où je suis né, vous ne serez pas d'aucune utilité, ni même ce que sont mes aspirations et mes rêves. Cela fait bien longtemps que je navigue de désillusion en désillusion et que je sais que ceux-ci ne se réaliseront pas. Lorsque vous avez parcouru ma nouvelle avec l'aide de votre comité de lecture, vous avez sans doute pensé qu'il s'agissait d'un texte ou d'imagination à la part belle et que celle-ci se voulait un clin d'œil à quelques auteurs fantastiques. Je peux cependant vous affirmer que tout ce qui a été écrit dans ces lignes s'avère vrai, même si j'ai un peu romancé le texte pour attirer votre œil et permettre à mon récit d'être sélectionné. Ne cherchez pas dans les noms propres employés des pistes vers certaines affaires. J'ai pris grand soin de les tronquer afin que personne ne puisse connaître l'identité de nos ennemis. Du moins, jouerai cette prudence tant que je ne pourrai pas vous faire aveuglément confiance. Je ne vous révélerai rien non plus concernant l'histoire que j'ai écrite, car je laisse à vos lecteurs le soin de la parcourir et de discerner le vrai de ce qui est faux. Je peux cependant produire ici, en cet instant, les photographies que j'ai réussi à détourner de certains dossiers classés confidentiels et qui vous prouveront ma bonne foi. Voici notamment des photographies prises par un appareil inventé vers le milieu du 19e siècle, et qui vous montre exactement ce que je vous ai décrit dans mon histoire. Dans ceci, pour épouvanter ceux qui verront cette vidéo,
Je ne vous exposerai pas les autres épreuves qui sont à ma possession. Mais vous pouvez me croire sur parole. Celles-ci sont particulièrement terrifiantes. Ceux qui parcourront ma nouvelle comprendront que l'organisation de notre monde n'est pas ce qu'elle semble être et que l'on nous ment depuis que l'homme est sorti du moule de la création. Je ne m'appesantirai pas plus sur ce sujet pour le moment, ne voulant pas dévoiler le contenu de mon histoire dans votre anthologie, afin que vos lecteurs puissent la parcourir et ainsi être convaincus. J'ai bien d'autres photos que je n'ai pas le temps de vous montrer, mais je vous enverrai si vous m'en faites un demande. Sachez que je fus recruté lors de mon service militaire, il y a de cela de nombreuses années. Ils ont jugé que je serais un bon élément de l'organisation, et je crois, toute proportion gardée et en toute franchise, qu'ils ne se sont pas trompés. Sachez aussi que j'appartiens à une fondation extra-gouvernementale, au-dessus même des lois qui a toujours œuvré dans l'ombre, et qui est au cœur des plus grands mystères. L'ordre des Templiers n'en était qu'une pâle émanation, et si vous pensez que nous sommes des Illuminati, la théorie du complot que l'on voit fleurir sur les réseaux sociaux, alors je jugerai que vous, Monsieur Portejoie, n'êtes pas digne de recevoir mes confidences. Les scientologues, la secte Aum Moon, ou celle du Révérend Jones, se sont inspirés de vos travaux. Je pourrais vous évoquer bien d'autres cabales, mais cela ne vous aiderait pas dans la compréhension de ce que nous sommes. Cependant, je peux vous exposer crûment les sujets dans lesquels nous fûmes impliqués. Voici par exemple un dossier de la CIA concernant un projet qui fut appelé Monarch, Artichoc, ou encore connu sous le nom de MKUltra. Vous trouverez sur Internet bien des entrées là-dessus. J'en dédie ici tous les tenants et les aboutissants, du moins tous ceux qui ne furent pas révélés parce que ce sont nos équipes qui travaillent là-dessus. Voici un autre, le dossier SON, mené par le KGB, ou plus vulgairement nommé Expérience russe sur le sommeil. Certains de mes collègues y participèrent. Si vous tapez cet intitulé dans Google, vous tomberez sur des sites qui regroupent ce qu'on appelle des creepypastas. Ce sont des petites histoires que l'on croit irréelles, mais en fait qui recensent beaucoup de faits qui s'avèrent véridiques. Ce sont généralement des rumeurs qui s'échappent de nos services, ou qui furent révélés comme je le fais en ce moment. Malheureusement, les donneurs d'alerte qui s'y osèrent ne sont plus là pour en témoigner. J'en ai bien entendu des dizaines d'autres de dossiers. Tout cela, par exemple, tous ces rapports parlent d'un Dyatlov Pass Incident, l'accident nucléaire de Pripyat ou celui de Three Mile Island, l'unité japonaise 731, le Smirch, la Lady Babushka, l'expérience de Stanford, celle de la troisième vague, ou encore, à moindre mesure, celle de Milgram. Tous ces projets furent menés par nos services. Ces pseudo-essais existent depuis la nuit des temps, et nombreux sont les événements historiques, à être la conséquence de ce que nous avons osé faire. Toutes les guerres humaines ont leurs racines implantées dans nos actes. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche, l'avènement d'Hitler, le Vietnam, l'Afghanistan, les conflits qui ensanglantent aujourd'hui notre monde. Car ce que vous devez savoir, c'est que ce sont les prérogatives de l'organisation à laquelle j'appartiens, qui sont domination, rétorsion, extorsion et contrôle humain. Ne me demandez pas quel nom porte cette fondation, car elle n'en a pas, et elle en a tout au contraire de nombreux. Je peux vous citer certains de ses membres illustres, comme Robert Oppenheimer, Paracels, Sigmund Rascher, le docteur Delgado, Sergei Brikonenko ou encore Ilya Ivanich Ivanov. Certains membres furent extrêmement connus, d'autres agissent dans votre ombre. Ils peuvent être vos voisins, vos amis, vos patrons et même vos parents, vos frères ou vos sœurs. Et si vous pensez que tout cela a un rapport à la dualité du bien et du mal, de la lutte de Dieu contre Satan, alors, Monsieur Portejoie, je vous rirai au nez. Tous ces mythes ont été inventés pour vous enchaîner et n'ont aucun fondement rationnel. Vous vous demandez certainement pourquoi je vous dis tout cela maintenant. Ce serait sans doute la meilleure question que vous auriez pu me poser si vous étiez tenu en face de moi. Mais sa réponse vous accablera sans doute autant que votre auditoire.
L'organisation à laquelle j'appartiens aura bientôt plus de pouvoir qu'elle n'en a jamais eu. Des élections ont eu lieu il y a peu dans de très grands pays et ont mis à la tête de certains États des hommes de paille. Sachez que d'autres surviendront d'ici peu, et je crois que c'est le moment aux gens de prendre conscience qu'ils doivent prendre en main leur destin et ne plus se laisser diriger comme des pantins. Pour cette raison, je vous laisse utiliser le matériel que je vous ai envoyé, comme bon vous semblera. Ceci afin d'élever dans la vérité vos lecteurs. Je vous ai confié l'adresse e-mail où vous pouvez me faire parvenir vos questions sans risque. J'y répondrai avec la plus grande transparence. Si certains de ceux qui vous suivent veulent en savoir plus, s'ils veulent connaître la réalité de certains mystères dont ils ont la connaissance, et bien qu'ils transmettent leurs questions, et si vos lecteurs devaient voter pour une motite, alors je considérerais l'humanité prête à tout savoir de l'organisation et de ses agissements. Et bien, et dans le cas contraire, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Parce qu'encore une fois, monsieur Portejoie, je ne recherche ni la gloire, ni l'argent, et surtout pas la célébrité. Et comme dit la Fondation, abyssus, abyssum in vocat.